rising sun. As we are floating in the blue, I am softly watching you. But boy, your eyes betray what burns inside you. Whatever I feel for you, you only seem to care about you. Is there any chance? Benoît Payog, 2000 mêlées du MHR. Bonjour, François Trendic, 2000 ouvertures du MHR. J'ai perdu mon défi, donc je vais vous faire visiter notre lieu de vie, notre salle de muscu, notre vestiaire. Voilà, vous avez gagné, félicitations. Allez, on est parti. Tout le monde dort, mais on a le capitaine qui travaille, toujours très sérieux. Il montre l'exemple sur le terrain, en dehors du terrain, et des tractions. Alors là, j'aperçois le bureau des préparateurs physiques. Voilà, c'est un peu leur cage, ils restent dedans. Et par contre, si vous voulez leur parler, il faut aller sur Facebook, parce qu'ils sont de longue sur les ordinateurs. On les voit jamais, mais ils sont sur leurs ordinateurs à taper, et en fait, ils sont sur Facebook. Et voilà, ça c'est les prépas qui ont mis ça en place, c'est un tableau des records. Que je vous laisse regarder ce qui vous intéresse. Développé couché, tirage planche, les meilleurs records. Oh, ça se passe de commentaires. Hein. C'est 180 kg. On a tiré 60 kg. Et là, on voit la vitesse maximum de Fufu. Sur 30 mètres. Sur 30 mètres, 20 secondes. L'endroit où on est la plupart du temps entre les entraînements, ça fait notre salle de vie. Donc des petits canapés, une télé qu'on regarde jamais. La machine à café, qui c'est qui adore le café ici? Alors le principal joueur qui adore ça, c'est Johan Audrin. Il en boit en pagaille. S'il est à 12 cafés par jour, c'est une mauvaise journée. Donc, c'est sûr. Et qu'est-ce que je vois pour ceux qui sont en dépression? Ah, il y a du whisky apparemment. Voilà, les sportifs de haut niveau apparemment boivent du whisky, on va pas y arriver. Alors voici à la fin des vidéos, là où on passe des heures et des heures à préparer les matchs. Voilà. Pour info, c'est un grand moment pour Jim Naguza, il fait ses siestes. Donc généralement la vidéo dure une heure, et lui le matin il fait une heure de sieste pendant la vidéo. Donc il y a des images, un ordinateur, un tableau blanc, et voilà. La main du chef Thibaut Bima, dans le coin, le chef a posé du chauffage. Continuons la visite avec le vestiaire des joueurs. Bienvenue. C'est un exemple de rangement et de propreté. Ah voilà. Nous avons Robin Chalivoitou assis ici. Nicolas Mas. Et changer. Là, nous avons Benoît Payol avec la collection de tampons. Et Marco, ah, un petit tampon, quelqu'un de très très propre. Là, oh, le champion du terrain de pétanque. Il a gagné le tournoi de Matemal l'année dernière. Très très bon tireur, c'est Johan Audrin. Là, c'est le casier du capitaine. Fufu. Casier de Mamouka Gorgoutse, de 17. Le casier des jeunes, alors les jeunes aussi, ils y restent pas mal entre eux. Qu'est-ce qu'on peut y dire? Ah! C'est tombé. Ah. Désolé. Je sais pas ce que ça fait. On va continuer la balade. Ah! Qui c'est qui arrive? C'est notre ami Tchalé Wachou! Il est là. Alors Tchalé, tu vas nous présenter la salle kiné. Allez. Apparemment, c'est... Voilà. Alors voici la salle kiné, c'est la salle préférée de Robin Chalewatch. Il se fait masser matin, après-midi, tout le corps. Regardez quand même ses cuisseaux. Voilà, il y a trois dames de massage. Une pour Fufu et une pour moi. Une pour Fufu, une pour Chalé d'ailleurs. Il y a un tableau pour les rendez-vous. Alors,
matinée. Mardi, Robbins. Voilà. Un créneau pour Robbins. Mercredi, Robbins. Mais le garçon est intelligent. Il a pas mis Robbins, il a mis Challet. Challet. Voilà. Quelqu'un qui aime se faire masser. Et là, il s'en va parce qu'il n'y a pas de kiné.